Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Je serai en direct d'ici quelques minutes. D'ici là, vous pouvez commencer d'ores et déjà à préparer vos questions et que je répondrai directement juste après. À tout à l'heure. Allez, c'est parfait, c'est parti. D'ici quelques petites secondes, on va se retrouver en direct. Attends que j'allume un petit peu tous les éléments. On y va. Salut à tous! J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est jeudi, on est le 13 mai, c'est férié et j'ai profité justement de ce jour férié pour tout simplement vous apporter un maximum de réponses à vos questions car et c'est vrai que j'ai reçu énormément de questions. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, je vais essayer de répondre le maximum là, maintenant, pendant 1 heure jusqu'à midi pile. On va être ensemble, on va pouvoir discuter ensemble avec grand plaisir. Et donc, du coup, je me ferai vraiment une joie de vous donner absolument tout mon savoir sur toutes les personnes qui vont participer justement à ce live en direct. Je vais en donner quelques-uns lors de la saison, lorsque ce sera le plus opportun et lorsque le temps me le permettra. Évidemment, si je ne réponds pas à votre question, eh bien, il y a d'autres solutions. Soit vous m'envoyez un email, soit vous allez sur mon site web formationpiscine.fr. Et puis, j'ai des possibilités de me dégager du temps simplement pour vous. Ce sont des offres qui sont spéciales. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être avec moi là aujourd'hui, juste avant midi, juste avant l'heure de l'apéritif et de la grillade. En tout cas, chez moi, il fait super beau. Donc, j'espère que chez vous, ça va très bien. En tout cas, qu'il fait super beau. Alors, les premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est bien déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre à ça. Salut James, salut Léo, salut Anthony, salut David, bonjour, bonjour à tout le monde, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Donc ça fait plaisir, vous pouvez déjà cliquer sur j'aime, hein, cliquer sur j'aime et pour les non-abonnés, bien, pourquoi pas vous abonner. Alors je suis très très heureux parce que on a sorti ensemble donc le dernier bouquin ici, L'essentiel pour votre piscine, qui est autant disponible sur le site Formation Piscine que sur toutes les librairies de France avec un nom différent qui s'appelle Une piscine limpide toute l'année. Donc, je suis très très content. Il y a plusieurs éditions de moi et de moi, donc c'est assez génial. Et voilà, il y a beaucoup de lancements, de choses qui ont été faites, donc je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure des choses. Mais
Pour le moment, on est là exclusivement pour vous. Donc voilà, pour ceux qui veulent prendre la parole et pour ceux qui veulent commencer à écrire leurs questions sur le chat, eh bien, ce sera avec grand plaisir que je vais y répondre. Alors voyons qu'est-ce qui se passe sur le réseau. Tagadagadag. Donc, qu'est-ce qu'on a? Anthony, bonjour Patrice, j'ai acheté votre livre, c'est une réussite. Merci pour vos précieux conseils. Ben, merci beaucoup Anthony, merci pour ta confiance. Tu fais partie maintenant des membres de formationpiscine.fr qui ont acheté le bouquin. Et c'est vrai que cette édition, ben, j'ai beaucoup de retours extrêmement positifs. Donc, merci infiniment. Si tu as des questions, surtout, tu n'hésites pas à en poser. Salut Isolino du Portugal. Hello le portugais. Salut, ça va? Parfait, parfait. Eric, bonjour, j'ai de l'algue moutarde. Ah, on commence avec des questions qui sont intéressantes. Alors oui, effectivement, David, j'ai le siège qui clignote en arrière-plan. C'est un petit peu pour donner un petit peu cet effet, j'ai envie de dire, stroboscopique, pour essayer que vous soyez hypnotisés par moi. non, je déconne, c'est juste un bug du système, mais bon, ça c'est juste un détail, on s'en fiche un petit peu. Alors, Eric Cluchag, merci pour ta question. Bonjour, j'ai de l'algue moutarde. Comment la supprimer et nettoyer la tuyauterie et filtre à sable pour ne pas qu'elle revienne? Merci. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'algue moutarde, c'est une algue bien spécifique. Ça, ok, on connaît le blabla, on connaît tout ça. Mais la première chose avant qu'une algue elle commence à arriver, c'est quoi? La première chose à faire avant qu'une algue moutarde commence à arriver, qu'est-ce que c'est? Question. Qu'est-ce que c'est la première chose à faire? Eh bien, c'est de parfaitement respecter l'entretien de votre piscine déjà. Parce que s'il y a de l'algue moutarde qui vient, elle ne vient pas par hasard. D'accord? Elle vient parce que, eh bien, il y a des parties qui sont, entre guillemets, mortes, et qu'il y a, entre guillemets, je dis, et qu'il n'y a donc pas de, comment dire, pas de flux qui vont s'y mettre dessus. Alors, on a beau frotter, on a beau faire tout ce qu'on veut, ok, mais ça revient toujours. Pourquoi? Parce qu'à la base, eh bien, on a un entretien qui n'est pas parfait. Donc, c'est-à-dire le pH correctement ajusté entre 6,9 et 7,4, un chlore libre si on traite au chlore. Hein, attention, parce qu'il y a du chlore, il y a du brome, il y a de l'oxygène actif, il y a du pHMB, d'autres traitements plus ou moins développés, en tout cas sur le marché français. De l'électrolyse au sel. Donc l'électrolyse au sel, j'en profite pour dire que l'électrolyse au sel produit du chlore grâce on va dire, à l'électrolyse, on va dire, du sel qui va faire partager une molécule, dont la molécule de sel va être partagée en une molécule de soude et une molécule d'hypochlorite gazeux. En tout cas, bon, en gros, c'est du chlore gazeux, on s'en fiche, l'essentiel c'est que ce soit désinfectant dans la piscine, c'est ce qu'on désire. Okay? Donc la première chose sur l'algue moutarde, eh bien, il faut faire bravo traitement choc, ça c'est clair, bien ajuster son pH, un brave traitement choc, et bien sûr éviter que le stabilisant ne soit trop élevé. Voilà, c'est des choses que je dis, que je répète, que je répète, que je répète toujours sur mon bouquin. Quoique je me répète pas trop, mais en tout cas j'essaye d'être le plus pertinent possible pour éviter ça. Donc l'algue moutarde, elle se détruit, ben, en définitive presque limite, c'est comme ça. Alors il y a différents produits qui font que ça la détruit ou pas. Après, ce qu'on peut avoir, c'est si on a une piscine en revêtement, en carrelage avec des joints qui sont creusés, ben là ça va être un peu délicat à la faire repartir parce qu'elle est vraiment accrochée. Hein. Si vous avez du calcaire, pareil, du calcaire, c'est si la paroi elle est rugueuse, d'accord? Donc il y a pas mal de trucs sur l'algue moutarde à faire, mais déjà à la base, on respecte les formules, la formule FTN, filtration, traitement et nettoyage parfait, et là déjà on sera déjà beaucoup mieux. Ok, on continue. Alexis Kazmierczak, excuse-moi si j'ai pas bien traduit ton prénom, en tout cas épelé ton prénom. Et en profite, hein, vous pouvez cliquer sur j'aime, les amis. Allez-y, déjà ça fait plaisir, hein, parce que ça me fait plaisir d'être avec vous. Et encore merci d'être présent. Cliquez sur le pouce en haut, ça fait toujours plaisir. J'ai construit et automatisé ma piscine grâce à tous tes conseils. Alors ça, merci et j'espère que c'est une réussite. Je vais changer de pompe à chaleur pour un modèle plus gros. Il faut un câble en 4 mm², mais il me faut 50 mètres du coup, 4 ou plus. Alors écoute, sur des piscines, ça dépend la puissance de ta pompe à chaleur, mais sur le web, il y a des abacs qui te disent pour X watts, tu as besoin de X millimètres carrés pour X mètres. Alors si je prends mes abacs à moi, très rapidement, que je regarde un petit peu si je le trouve, hein. Voilà, si on est en 230 volts, pour 4 mm², tu vas
Non, ça c'est le moteur en 4 pouces, c'est pas ça. En triphasé, c'est pas ça. Dimension des câbles. En kilowatts. En ampérage. En 4 mm carrés. En 4 mm carrés, tu vas jusqu'à 92 mètres pour 1 kilowatt. Pour 2 kilowatts de puissance absorbée. Hein, une pompe à chaleur, c'est une puissance absorbée. En 4 mm carrés, tu vas jusqu'à 68 mètres du local jusqu'à à ta pompe à chaleur. Voilà, donc si tu es un petit peu frileux ou quoi, ou qu'elle est bien plus puissante, si elle fait par exemple 4 kilowatts, bah, tu passes sur du 6 mm carrés ou du 10 mm carrés. Au moins, tu seras tranquille. Ok. Voilà, en tout cas, merci infiniment d'avoir créé tout ça par rapport à d'avoir créé ton local technique par rapport à mes conseils. C'est génial, absolument génial. J'en profite pour vous dire que, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai créé ma boutique en ligne des outils que je préconise. D'accord, donc le site internet, je vous le mets de suite. C'est boutique.informationpiscine.fr. Hop, donc surtout, vous n'hésitez pas, je vends tout le matériel que je préconise. Enfin, j'essaie d'étoffer un petit peu et je fais des sélections, évidemment, des meilleurs fournisseurs pour moi. Hein. Voilà. Ensuite, on a comment enlever la poussière au fond de l'eau. Alors ça, c'est une question qui vient tout le temps et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai fait une vidéo qui est très, très performante et pertinente sur ce type de... problème. Tu regardes, tu tapes poussière fond de piscine sur YouTube, il y a les quatre étapes pour enlever la poussière au fond de ta piscine. Tu fais ça pas à pas et tu seras plus embêté. Bien sûr, on évite les adductions d'eau type forage ou puits qui comportent du limon. Parce que si vous mettez de l'eau dans votre piscine qui comporte du limon, le limon, bah, il va au fond. Hein. Donc, si vous videz de la piscine et que vous remplissez avec une eau bah, qui a du limon, alors le limon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une petite poussière très très fine qui se dépose au fond et qui ne se filtre surtout pas. Bah, évidemment, elle est dans l'eau, donc elle ne se filtre pas, elle se délite complètement. Évidemment, eh ben, ça ne marche pas. Ok, donc tu fais ça et puis tu ne seras pas embêté. Hello, t'as pensé à moi pour le t-shirt, Léo? Oui et non, c'est pas dans les priorités tout de suite, mais j'y pense, t'inquiète pas, j'y pense. Lame, salut, je te remercie pour toutes tes vidéos et tes conseils au top. J'aurais aussi une question, j'ai envie d'acheter un robot de piscine automatique, mais il y en a tellement. As-tu un modèle en tête? Oui, j'ai un modèle en tête, bien évidemment, que je fournis directement à mes clients. C'est un robot autonome. Je ne citerai pas de marque sur ce live, évidemment, mais pour en savoir plus, tu viens sur ma boutique et, bon, pas tout de suite parce que je n'ai pas encore mis en ligne, mais je vais le mettre en ligne très, très rapidement et je te dirai exactement lequel j'ai choisi. En fait, tu le verras, lequel j'ai choisi. Donc, un petit peu de patience. D'ici quelques jours, ça sera en ligne. Voilà. Et si vous regardez ce live plusieurs jours après la diffusion, ça sera forcément déjà en ligne. On a Daddy Kanza. Bonjour, je veux savoir où je peux passer ma formation de piscine. Alors, Daddy, ça dépend si c'est une reconversion professionnelle ou ça dépend si c'est dans le cadre de l'éducation nationale. Si c'est dans le cadre de l'éducation nationale, c'est un très bon lycée qui s'appelle le lycée de Pierre Latte, qui donne d'excellentes formations pour les futurs piscinistes et pisciniers. Autrement, si c'est une reconversion professionnelle, tu as l'AFPA. L'AFPA qui est très, très, très réputé avec un excellent centre de formation à Béziers. Au passage, je salue Simon et toute son équipe et toute l'équipe de l'AFPA, sur lequel je suis jury. Moi, je m'occupe de faire passer les examens aussi aux tout nouveaux et futurs pisciniers. Donc, s'il y en a qui me regardent, salut. J'étais ravi de vous faire passer cet examen, sachant que le taux de réussite est quand même pas mal. C'est de belles formations sur plusieurs mois. Voilà. Alors après, il faut savoir deux choses. La première, c'est que si vous voulez juste faire de l'entretien piscine en reconversion professionnelle, il n'y a pas besoin de passer par l'AFPA, hein, d'accord. Par contre, si vous voulez passer, devenir technicien et comprendre un petit peu tous les tenants et les aboutissants de la piscine, parce que la piscine, c'est autant de l'électricité, de l'hydraulique, de la chimie, de les étanchéités, de la logique, évidemment, de la maçonnerie, du diagnostic, des liners, des PVC armés. Il y a tellement de trucs dans une piscine que là, il va y avoir bien sûr les bases données par l'AFPA ou le lycée de Pierre Latte, ou alors il faut venir faire un stage avec moi. Et obligatoirement, vous devrez avoir besoin d'une expérience, parce que ça ne s'apprend pas comme ça. C'est très compliqué, la piscine. Hein. Si on veut rentrer vraiment dans la technique, hein, c'est très, très compliqué. Si on veut faire de l'entretien, c'est beaucoup moins compliqué. Et pour ça, tu as deux solutions. Si tu veux te reconvertir dans l'entretien des piscines, eh bien, tu viens sur mon site et tu prends le pack entretien, soit la formule Start, soit la formule Premium. La grosse différence entre les deux, c'est que la formule Premium, je suis quasiment constamment en contact avec mes élèves. Et la formation Start, eh bien, c'est de l'autodidacte. Donc, voilà. Bon, bien sûr, il y a d'autres vidéos sur la formation Premium qui sont beaucoup plus techniques, qui vont t'apprendre
beaucoup plus de choses. Mais voilà. OK. Merci pour ta question. David, mon pH est bon, mais mon TAC est trop bas. Eh bien, si ton pH est bon et que ton TAC il est trop bas, le TAC, c'est une excellente question. Tu as le choix. Eh bien, essaye de le remonter ou essaye de voir comment ça se passe sur les journées à venir. Et peut-être que, probablement, c'est quand tu vas ajouter de l'eau ou si tu mets peut-être un petit peu moins de galets de chlore. Il ne faut pas oublier que le traitement au galet de chlore, c'est bien, c'est assez facile, mais c'est parfois un peu délicat parce qu'un galet de chlore, ben, c'est... il y a beaucoup, beaucoup à l'intérieur de molécules chimiques. Et il faut savoir que le pH d'un galet de chlore, ceux qui sont à 200 grammes, eh bien, ils sont très acides. Et l'acidité, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça a la fâcheuse tendance à faire baisser autant et le pH et le TAC. Alors pour aller plus loin dans le TAC, il est régi par la balance de Taylor. On rentre un peu plus dans le détail technique, on ne va pas y passer des heures, mais très rapidement pour expliquer, le TAC est régi par la balance de Taylor qui, grâce au TAC et au TH, on va avoir une courbe qui va nous dire quel est le bon pH dans votre piscine. Voilà. Donc ensuite, bah, il suffit que tu vois si ton TAC il est trop bas ou c'est qu'il est, et ton pH et ton TH, et puis tu verras ton pH parfait. Voilà ce que je peux te dire. Alors, c'était ouais, Daddy, si t'es plombier, ta formation de piscine, tu la passeras du coup à l'AFPA. À l'AFPA, donc je te conseille le site de Béziers qui est très très bon. Michel Kokosinski, merci pour le conseil du balai Fairlock, très satisfait. Oui, c'est un balai absolument fantastique. Il est disponible sur ma boutique si vous le voulez. C'est vrai qu'il y a eu un gros boom des ventes, donc peut-être que ceux qui l'ont commandé les derniers jours, ben, on est arrivé en rupture de stock, on n'a pas su gérer ça. Donc de toute façon, ils arrivent, il y en a énormément qui arrivent sur en plateforme, donc ça va être OK. Ensuite, c'est quoi pour toi le meilleur analyseur d'eau électronique? Alors, électronique, il y en a plusieurs. Il y a des photomètres. Ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux analyser plusieurs types de paramètres dans la piscine, ou si tu veux, tu veux analyser plusieurs types de paramètres, type le pH, le stabilisant, le chlore, le TAC et la dureté calcaire, moi, j'utilise le ND200. Le MD200, qui est un excellent produit. Après, si tu veux juste analyser rapidement, comme le ferait une sonde de pH ou une sonde de sel, après, il y a un excellent analyseur, mais ça, je ne vais pas dire la marque directement sur le truc. Il faut m'envoyer un email et je te dirai qu'est-ce que c'est. Jean-Louis Clavaro qui nous dit comment contrôler le calcaire. Alors, comment contrôler le calcaire? Le calcaire, c'est assez simple à contrôler parce que tout simplement, il ne se contrôle pas. Voilà. Par contre, si la question est comment contrôler le dépôt de calcaire dans ma piscine, là, c'est une question différente. Parce qu'en fait, le TH de ton eau, c'est très très délicat à contrôler, en tout cas pour un particulier. Parce que si on fait à la lettre tout ce qui doit être fait pour un particulier, laissez-moi vous dire que vous allez dépenser des centaines, voire des milliers d'euros en produits chimiques et une prise de tête incroyable avec des questions qui vont fuser de partout. C'est la vérité. Hein. Voilà. Une piscine, c'est fait pour avoir du plaisir. Hein. C'est pas fait pour y passer sa vie. Y mettre des produits chimiques à l'intérieur, ou en tout cas, moi, ce que j'enseigne dans mes ouvrages et également dans mes formations vidéo qui sont en vente, eh bien, c'est que on fait ce qu'il faut et l'essentiel. C'est pour ça que j'ai appelé mon bouquin « L'essentiel pour votre piscine et pour ne pas s'embêter ». Donc, si tu veux éviter que le calcaire se dépose sur tes parois, eh bien, c'est très simple. Tu gères déjà parfaitement bien ton pH. Si le pH est bon, le calcaire ne se déposera pas. Également, j'ai publié une vidéo sur cette chaîne-là qui s'appelle « Une mise à la terre », comment faire une mise à la terre de votre piscine avec le pool terre. Parce que le pool terre, en fait, il sert à évacuer les courants vagabonds qu'il peut y avoir. Donc, un, les courants vagabonds qui sont donnés par la pompe de filtration, par l'électrolyseur au sel, si vous êtes équipé d'un électrolyseur au sel, mais également entre la différence de potentiel qu'il peut y avoir entre la terre et votre eau de piscine, si vous avez un liner, ou une membrane armée, ou une peinture sur une piscine maçonnée.
D'accord. Donc ça, c'est cette différence de potentiel peut activer en fait entre guillemets le calcaire, on va dire, et pour qu'il se dépose plus facilement. D'accord? Donc voilà, hein, tout ce qui est piscine coque, piscine liner, piscine PVC armée, piscine qui en fait ne sont pas en liaison avec la terre directe, pas comme une piscine béton, même que pour les piscines béton, je le conseille aussi, enfin, moi je le mets partout, moi je ne suis pas merdé à de rien du tout, mais mettre un pool terre, ça aide également à éviter qu'on ait des problèmes de qualité d'eau et notamment de calcaire qui se dépose ou de corrosion importante sur par exemple les axes de volets immergés. Voilà, dernièrement, j'ai rénové une piscine non loin de chez moi, au Somail, à côté de Narbonne, dans le Lod, qui était avec un liner, et j'ai dû démonter un volet immergé. Le volet immergé, il s'est délité complètement, parce qu'il a été bouffé, enfin mangé en tout cas, ou attaqué, corrodé, on va dire, par justement ce problème de courant vagabond et de différence de potentiel. Donc maintenant, ces choses faites, j'ai installé au monsieur déjà une membrane armée en 2 mm d'épaisseur, donc en 200 centièmes, quelque chose qui était très haut de gamme et qui donne un teint absolument parfait, naturel, c'est juste incroyable. Mais en plus de ça, eh bien, il n'y aura plus de corrosion sur sa piscine. Et ça, c'est pas mal, parce qu'on sait que la corrosion, ben, ça mange les électrolyseurs au sel, ça mange tout, ça peut même générer des fuites. Il faut quand même faire attention à ce genre de choses. OK? Ouais, j'espère avoir été assez clair. Alors, eau de forage dans la piscine, en Vaucluse, acide cyanurique, toujours proche de zéro. L'acide cyanurique se met par l'adjonction de produits chimiques tels que des galets de chlorolande de 200 grammes ou de chloration choc avec les tout petits galets de 20 grammes, Michel. Donc, au départ, évidemment, ton acide cyanurique sera à zéro. L'eau, elle est sans acide isocyanurique quand on remplit une piscine. C'est logique. Quelle est la durée de vie d'une sonde de pH, Anthony? La durée de vie d'une sonde de pH, ça dépend. J'ai envie de te dire, ça dépend déjà d'une, où elle est placée. De deux, ça dépend de comment elle est placée, parce qu'il y a des techniques qui permettent d'éviter que les petits cailloux, quand tu passes l'aspirateur balai, bam, ils pètent dans le bulbe. Si ça pète dans le bulbe est mort. Ça, c'est clair. Donc, environ, moi, je donne une durée de vie entre 1 an et 5 ans. Voilà, moi, mes clients, ils sont plus sur 5 ans. Voilà. Après, quand j'ai des nouveaux clients, c'est plus 1 an. Voilà, ça dépend où elle est placée, ça dépend de beaucoup de paramètres. Tom, testeur digital AquaCheck, est-ce que c'est bien? Je ne donnerai pas mon avis sur ça, Tom, car c'est un bon produit. Voilà, je veux dire simplement que c'est un bon produit, mais en fait, je ne souhaite pas dire oui, c'est bien, non, c'est pas bien en direct sur cette chaîne, car eh bien, ce serait soit valider un produit de fournisseur, soit le dénigrer. Et à mon avis, les fournisseurs mettent vraiment tout leur cœur pour mettre un excellent, pour donner le meilleur, on va dire, pour eux, donc je vois pas pourquoi moi je dénigrerais leurs produits ou je les mettrais en avant, et étant donné que nous ne sommes pas partenaires, donc tant qu'on n'est pas partenaire, moi c'est OK. J'ai un robot électrique, mais il ne passe pas de partout, nous dit Eric. Je n'ai pas de prise balai. Est-il possible de faire une installation sans celle-ci pour me brancher sur l'extérieur? Bah, tu as un skimmer, normalement, Eric Kuchag, merci pour ta confiance. Tu as un skimmer. Donc, tu branches ton balai manuel sur ton skimmer. Voilà, tout simplement sur le trou de ton skimmer. Tu fermes la bande de fond, la bande de fond. Donc, du coup, si tu n'as pas de bande de fond, bah, tu laisses ouvert ton skimmer. Et puis, normalement, ça doit aspirer. Voilà, pas besoin d'installation extérieure. Voilà, Eric. Alors, Sylvain qui nous dit, si nous sommes en électrolyseur au sel, doit-on avoir un contrôleur de pH? Alors, tout à l'heure, j'expliquais que l'électrolyseur au sel, on a une cellule d'électrolyse, et dans cette cellule d'électrolyse, on a le sel qui passe. Et le sel, quand il passe dans la cellule d'électrolyse, il est divisé en deux molécules, une molécule de soude et une molécule de chlore, on va dire. La molécule de chlore, elle désinfecte à la piscine, c'est son job. La molécule de soude, elle fait monter le pH. Bah oui, c'est de la soude. La soude a un pH de 14. Donc, ça fait forcément monter le pH. Donc, c'est nécessaire d'avoir un régulateur de pH. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas mettre la sonde après l'électrolyseur au sel, parce que sinon, il va y avoir des soucis, je pense. OK? Voilà. Et si tu veux savoir quel régulateur de pH moi j'installe et que je fournis, je vous le fournis directement, eh bien, rendez-vous sur le site que j'ai mis un petit peu plus haut, que je vais remettre ici. Tac. C'est boutique.com.
www.formationpiscine.fr. Voilà, tu as tout ce qu'il te faut pour aller voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Michel, merci Patrice au sujet du poulterre. Alors, mes chers amis, on va faire juste une petite pause, mais en tout cas, vous êtes plusieurs à visionner cette vidéo, je vous remercie de votre confiance. J'aimerais simplement que vous fassiez une seule chose, c'est tout. Voilà. Vous prenez votre petite souris ou sur votre smartphone, vous scrollez un petit peu et vous allez aller cliquer sur le pouce qui est juste en dessous. D'accord ? Comme ça. Ok ? Voilà, c'est tout. Tout ce que je vous demanderai dans les prochaines secondes. Allez, je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, merci beaucoup, ça ne prend pas le temps et ça marche plutôt pas trop mal, donc c'est sympa. Merci pour votre générosité et votre échange. Alors, Michel qui nous dit... merci Patrice au sujet du poulterre qui n'avait pas été installé par mon pisciniste alors qu'il a installé un électrolyseur au sel au mauvais endroit. J'ai réinstallé au bon endroit l'injection pH avant qu'il se trouvait avant l'électrolyseur. Après, je suppose l'électrolyseur au sel. Et oui, ça arrive. Ben, écoute, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on a Jean-Claude Roth, salut Jean-Claude. Merci pour vos conseils. Ma piscine redevient bleue. Je sors d'Iris Piscine et j'ai acheté le chlore que vous nous conseillez. Merci et bonne journée. Ben, merci infiniment à vous. bonjour, quel réducteur Redox, une marque en particulier, conseilles-tu pour une piscine avec électrolyseur au sel? J'ai du mal à en trouver dans les magasins de piscine. Bien, c'est très simple, tu vas sur la boutique et il y a ce qu'il faut. Pascal Pétri. Bonjour, je me pose la question sur mon contrôleur de pH. On m'a vendu un bidon de pH moins, ne faut-il pas du pH plus aussi? Non. Non, Pascal, il ne faut pas de pH plus aussi. C'est le pH plus, on en met en général que s'il y en a vraiment besoin et on la met de manière manuelle. Voilà, tout simplement. En général, les régulateurs de pH mettent du pH moins, car dans les eaux de piscine, souvent, le pH a tendance à monter. Et si le pH a tendance à monter dans les eaux de piscine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il faut le baisser. Voilà. Et ce qui peut se passer de temps en temps, c'est que si on a un mauvais traitement, eh bien, le pH peut chuter. Donc, s'il chute le pH, eh bien, ce ne sera pas du pH moins, ce qu'il faudra qu'il injectera le régulateur de pH, parce que lui, il est réglé pour injecter du pH moins, bien que certains injectent du pH plus et ou du pH moins, non pas et ou, mais du pH plus ou du pH moins. Mais voilà, et, si ton pH est bas, il faudra le remonter manuellement, sauf si ben, il est tout en bas. S'il est tout en bas, le régulateur de pH devra injecter du pH plus. Voilà. Ok. Alors, ensuite, c'est ok. J'ai remis la sonde de pH après le filtre comme indiqué dans tes vidéos. Fantastique. C'est vrai que je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. C'est un truc de dingue. Plus je le vois, plus je m'en rends compte. C'est incroyable. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Merci pour ta réponse et ta disponibilité et ta gentillesse. Je vais acheter ton bouquin. Oh, ben merci Eric, c'est super sympa. Merci beaucoup. Et tu verras, tu seras vraiment ravi. Jérôme Prigent, salut. Peux remplacer mettre du gaz R32 sur la pompe à chaleur pour remplacer le gaz R410 de base? Je ne suis pas frigoriste, mais si le compresseur est prévu pour du 410, laisse-le en 410. À mon avis, hein, après je ne suis pas frigoriste du tout. Du tout. Mais bon, c'est une chose que je ne tenterai pas, honnêtement. Parce que même si tu gagnes en performance, que c'est possible, est-ce que c'est vraiment réellement utile? La question, je me la pose. Sachez également qu'il y a des pompes à chaleur, différents types de pompes à chaleur qui sortent de plus en plus sur le marché, et en tout cas qui ont des technologies de plus en plus évoluées. Donc bien sûr, comme tout, hein, il y a des pompes à chaleur début, moyenne de gamme et haut de gamme, il y a tous les prix qui se créent, mais attention, encore une fois, ce qui est important à savoir, c'est que vous investissez sur plusieurs années. Donc même si une pompe à chaleur ou tel autre produit coûte 100, 200, 1000, 2000 euros de plus, sachez que vous investissez pour 5 ans à 10 ans. Donc sur 10 ans, ça fait en définitive pas énorme. Hein. Okay.
Je dis ça, je dis rien, hein, parce que je me rends compte très très souvent que ben, les gens fonctionnent par le tarif, par le prix, et pas par la qualité et la performance. Donc, par exemple, moi, j'ai chez moi dans ma piscine, je vous ferai des vidéos bientôt, j'ai investi dans du matériel vraiment qui extrêmement performant, justement pour pouvoir vous en parler, pour le tester, pour pouvoir vous en parler. Il y a plein, plein, plein de trucs, vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc, il faut vraiment rester accroché à la chaîne. Je vais vous faire vraiment encore plus gagner d'argent, parce qu'il y a des trucs complètement dingues qui existent. Et ben voilà, je souhaite vous le partager. Voilà. Donc, puis je vous montrerai plein de trucs. Enfin bref, on en parlera un petit peu plus tard sur mon bassin à moi, ma piscine à moi, vraiment qui est juste incroyable. Alors ensuite, Jérôme, ça c'est bon. Que penses-tu de la domotique de piscine? Alors Eric, qu'est-ce que je pense de la domotique de piscine? Je pense que c'est absolument génial. Moi, je pense que c'est génial et c'est dans l'évolution du temps. En termes de domotique, je parle beaucoup de la société. Ça, j'ai le droit d'en parler parce qu'ils ont offert un gros, gros cadeau lors de mes opérations de Noël, sur lesquelles ben, j'ai offert des packs domotiques complets, un pack domotique complet à une personne qui est absolument ravie de ce type de produit, d'une valeur de plus de 1000 euros. Donc, c'est pour ça qu'il faut être toujours à mes côtés parce que. Il y a tout le temps des cadeaux qui arrivent au moment où il faut que ça arrive, et notamment à Noël. Et je travaille avec la société Solem, qui est la marque My Indigo de Solem, également produit que j'ai sur ma boutique, sur lequel eh bien, c'est absolument fantastique parce que eh bien, ça contrôle automatiquement la piscine. Autant la filtration que la température de la pompe à chaleur, que l'éclairage du smartphone, on peut faire ce qu'on veut avec des modules qui sont vraiment géniaux et ça peut même contrôler dans l'éclairage du jardin, ça peut tout contrôler, l'arrosage de l'arrosage, tout. Vous pouvez tout faire, vous retrouvez à New York et 48 heures, vous rentrez chez vous, vous voulez que votre piscine, qu'elle soit, je ne sais pas, débâchée et échauffée, c'est possible. Vous voulez contrôler où est le pH de votre piscine et le potentiel redox de votre piscine, c'est possible. Voilà, j'ai installé ces types de produits avant d'en parler à plusieurs clients à moi, sur lesquels j'ai le contrôle à distance de ces bassins. Et quand il y a quelque chose, hop, je leur passe un petit coup de fil et je leur dis, voilà, il faudrait que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ou je déclenche une intervention directement chez eux. Écoutez, j'ai absolument rien à dire. Absolument rien à dire. C'est un produit de haute qualité, qui est très technique, par contre, à installer. Mais comme vous le savez, j'ai plus d'une corde dans mon arc et bien sûr, j'ai des formations complètes pour installer ça, bien évidemment. Comme une formation complète pour faire le montage de local technique, de piscine. Enfin, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Il suffit d'aller sur mon site, fouiller un peu. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, ou presque. S'il n'y a pas tout ce qu'il faut, il faut m'envoyer un email pour que je mette encore plus tout ce qu'il faut. Sylvain, que pensez-vous de la filtration au verre? Bien, honnêtement, moi je ne mets que ça. Je ne mets pas du tout de sable, je n'en mets plus du tout. Avant, on en mettait, mais ça fait environ 8 ans que je ne mets que du verre dans mes filtrations, à savoir qu'il y a des évolutions qui sont créées également sur les verres filtrants avec des vitesses de passage qui peuvent être différentes. Enfin, c'est délicat, c'est compliqué pour le particulier, mais c'est très intéressant. Et j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus en détail. Tom, comment nettoyer le panier de la pompe? Tous les combien faut le nettoyer et quelle vanne faut fermer? comment te dire? Pour nettoyer le panier de la pompe, en gros, il te faut l'isoler, évidemment, hein, donc fermer toutes les vannes et ouvrir ton panier de pompe. Voilà, tu mets ta 26 voies en position fermée, tu ouvres ton panier de pompe, en position, 26 voies en position fermée, tu fermes tes vannes d'aspiration et puis tu ouvres ton panier et tu nettoies ton panier de pompe. Voilà. Tac, mon régulateur de pH, pH est calibré à 7, alors ici ça indique sélectionner la valeur désirée entre 6 et 8. C'est génial. Ok, ben, choisis 7,2, ça sera déjà pas mal, je pense. J'ai un régulateur de pH redox, donc ce qui fait donc c'est un combiné pH redox, très bien. J'ai fait l'étalonnage de la sonde, donc normalement il y a deux sondes, parce que le pH fait le pH et le redox fait le redox. J'ai testé le pH manuellement pour être sûr, le pH est trop haut, malgré que le régulateur pH affiche 7,4. Que faire? Le pH est trop haut, je comprends pas, ça veut dire quoi? Il me faut des données plus précises, ma chère Audrey. Merci pour ta question et ta fidélité.
Bruno, je suis à l'oxygène actif, je trouve ça génial, pas de chlore, t'en penses quoi? J'ai une piscine de 6 par 2 par 3,20, je le conseille pour les enfants. Je traite aucune de mes piscines à l'oxygène actif, j'ai jamais traité une seule piscine à l'oxygène actif, parce que si, je l'avais déjà fait, mais j'étais déjà embêté, parce que l'oxygène actif, bon, ben, c'est un bon produit, hein, mais c'est très volatile. Pour le doser, c'est un peu délicat. Moi, ma préférée, honnêtement, et le confort absolument idéal quand vous imaginez-vous, vous allez dans votre piscine. Et vos enfants, bah, aussi les enfants, ils y vont bien sûr énormément dans la piscine. Et vous plongez la tête sous l'eau. Voilà, vous êtes en immersion complète. Hein. C'est-à-dire la tête, vraiment, on est sous l'eau. On n'entend plus rien. Et vous ouvrez les yeux. Simplement. Vous ouvrez les yeux. Et là, imaginez-vous que vous ouvrez les yeux et ça ne pique pas. Ça ne pique pas, ça ne brûle pas, il n'y a pas de sensation d'inconfort, absolument rien. Et bien là, croyez-moi que ben, la piscine devient vraiment un confort, mais un confort absolu. Alors comment c'est possible, vous allez me dire? C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Un bon traitement au pH. Un excellent électrolyseur au sel, pas n'importe lequel est très très bien géré par contre, et un entretien, une filtration parfaite. Et bien là, croyez-moi que quand vous allez ouvrir les yeux, là vous allez dire, on est quand même pas mal dans ma piscine, et puis c'est très sécurisant pour vos enfants, pour les ORL, pour les yeux, pour les oreilles, pour le nez, pour la bouche, quand ils boivent l'eau aussi, parce qu'ils boivent tous la tasse, les gamins, on le sait, hein. Moi les miennes aussi, hein. Ils ouvrent tout le temps les yeux, hein, et puis ils sont tout le temps sous l'eau, hein. Je ne sais pas ce qu'ils ont, ils veulent tout le temps aller sous l'eau, plonger, folie, voilà. Donc voilà, une piscine, voilà, une bonne piscine, dans laquelle on se baigne dans une eau qui est parfaite, eh bien c'est une piscine qui est parfaitement gérée, avec les outils et le matériel qui est parfaitement géré. Voilà. L'oxygène actif, c'est bien pour en revenir à ta question. OK. Mais honnêtement, moi, c'est un produit que je n'utilise pas. Voilà, que j'ai décidé clairement de ne pas utiliser, surtout quand on sait que les valeurs, les normes européennes ont diminué de manière très importante, vous savez, par rapport à tout ce qui est menace terroriste, hein, parlons-en, hein, ce sont ces publics, hein, donc il n'y a pas de souci, qui avant, l'oxygène actif qui était vendu normalement dans le commerce, ben, était trop dosé et pouvait fabriquer des trucs, voilà, pour ça. Donc maintenant, ils ont baissé et autant les taux de pH que autant les taux d'oxygène actif, il n'y a que les professionnels de la piscine qui peuvent avoir des produits bien dosé correctement, voilà. Parce qu'on est enregistré. Tout simplement. Ensuite, alors, Léo, je t'ai déjà répondu. Jérôme, salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Je chauffe ma piscine encore à l'ancienne avec un échangeur thermique couplé avec ma chaudière à fioul. Waouh! Ah ouais, génial. Il me semble que la montée en température est lente, hein, à 2 degrés par jour, est-ce normal ou pas? Ben, un, est-ce que tu as bâché ta piscine, déjà? Deux, est-ce que la puissance de ta chaudière est suffisante? Trois, est-ce que ton échangeur n'est pas entartré? Quatre, est-ce que ta filtration fonctionne assez longtemps? Voilà. Si ces quatre points sont alignés, oui, avec un échangeur thermique, quand même, ça envoie quand même du bois. Hein. Ça dépend de la puissance de ton échangeur thermique. S'il fait que 3 kW, ça va mettre plus de temps que s'il fait 9, 12, 24 kW. Tu vois? Donc, j'ai envie de te dire oui et j'ai envie de te dire non. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Faut-il avec le produit domotique que tu vends une prise Internet? Oui, il faut alors il faut pas une prise Internet RJ45, il faut simplement un Wi-Fi parce qu'il y a des plateformes, enfin, il y a des modules qui se connectent à la Wi-Fi et qui te permettent de traverser 100 mètres. C'est extrêmement puissant et extrêmement performant. J'ai l'Aquarite Pro, ok. Faut-il quand même installer les sondes de ton produit domotique? Ben, l'Aquarite Pro, il est quand même très très complet, donc je pense que tu n'as pas besoin de rien d'autre en domotique. Hein. Il gère le pH, le chlore, et puis il y a des possibilités d'évolution. C'est un excellent produit, l'Aquarite. Hein. Vraiment, c'est un excellent produit. Voilà. Sylvain, qu'est-ce que le Redox? Sylvain, qu'est-ce que le Redox? T'as pas regardé mes vidéos sur le Redox? Bon, ok, il y en a beaucoup, je comprends, ça va, allez, je suis là pour te donner tout ça. Le redox, c'est un potentiel d'oxydo-réduction. On dirait Mac Lesguy qui fait des cours là. Alors, le redox est un
potentiel, non, est un, oui, c'est ça, est un potentiel d'oxydoréduction qui mesure le taux d'oxydoréduction en millivolts, donc c'est extrêmement faible, d'où le couplage obligatoire d'une prise de terre indépendante, donc avec un pulteur, ce que j'ai parlé juste avant le live, au début du live à peu près. Donc si vous ne savez pas, je ne vais pas répéter, vous revenez sur la vidéo qu'elle sera disponible en mode public. Donc cette oxydoréduction-là mesure le taux de désinfection, je mets bien entre guillemets, le taux de désinfection de la piscine. On estime que la piscine devient désinfectante à partir de 650 millivolts. Mais ça dépend d'énormément de paramètres. Ça dépend de la vitesse de filtration. Ça dépend du pH de la piscine. Ça dépend de plein de paramètres. Et chaque piscine est différente. Chaque piscine aura un taux d'oxydoréduction différent. D'accord ? Moi, c'est 65 chez moi. Voilà. Chez d'autres clients, c'est 72. Enfin, 720. Moi, c'est 650. Chez d'autres clients, ça va être 700. Chez d'autres clients, ça va être 680. Okay, donc, chaque client est vraiment, chaque personne est différente. Okay, voilà, c'est ça le taux d'oxydoréduction de la piscine. Et c'est ce qui permet au régulateur de dire, OK, tu envoies du chlore liquide, si tu traites avec du chlore liquide, avec injection de chlore liquide, ou alors si tu traites avec un autre type de produit, ça veut dire, OK, électrolyseur au sel fonctionne. Et ton électrolyseur au sel, eh bien, il fonctionne à 100%, évidemment, jusqu'à ce que le taux d'oxydoréduction, il monte. Voilà, tout simplement. Et quand il aura atteint la bonne valeur que tu auras, toi ou ton professionnel qui l'aura installé, aura bien réglé, eh bien, le redox va dire, hop, c'est bon, il n'y a pas besoin de produire plus. Du coup, résultat, ta piscine est parfaitement traitée. Voilà, si et seulement si c'est parfaitement bien installé. Voilà, hein, parce que c'est facile d'installer un truc. Hein. Oui, on perce deux trous, on le branche des fois à la one again, et puis voilà. Mais faites bien attention. Hein. Sélectionnez parfaitement vos professionnels. Parfois, s'il y a des professionnels qui sont un peu plus chers, c'est peut-être pas pour rien. Hein. C'est parce que derrière, il y a des compétences. C'est parce que derrière, il y a peut-être une assurance décennale. C'est peut-être parce que derrière, il y a certaines choses. Donc attention, hein. Attention, le pas cher coûte cher. Moi, je vois tous les jours. Ok, concernant la pompe à chaleur, Michel, faut-il fermer le bypass à 50% systématiquement? Oui et non. Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de ta pompe à chaleur. Il y a des pompes à chaleur qui ont des manomètres à l'intérieur intégrés. Des pompes à chaleur qui n'ont pas de manomètres à l'intérieur intégrés, réglés. Il y a des pompes à chaleur qui disent la température d'entrée, la température de sortie. Voilà. Donc, selon la pompe à chaleur que tu as, si par exemple c'est une pompe à chaleur d'entrée de gamme, il n'y a pas de manomètre, il n'y a que dalle, tu fermes à 50% et basta. Et c'est OK. Si c'est une pompe à chaleur un petit peu plus évoluée, tu peux affiner ton réglage d'entrée et sortie d'eau de manière à ce qu'on soit à 1,5 degré de plus. Voilà, à peu près 2 degrés de plus pour que ta pompe à chaleur ait son rendement maximal. Voilà. Mais tout dépend de la pompe à chaleur que tu as. Avec plaisir, David. Alors, piscine à 20 degrés actuellement ne se baigne pas car il ne fait pas assez chaud. La piscine reste bâchée. Dois-je tout de même laisser la pompe en fonctionnement les 10 heures préconisées? Température de l'eau divisée par 2 égale temps de filtration sur toute la journée. Voilà. Sur les heures les plus chaudes de la journée. Donc la réponse est... Voilà, elle est dans la question. Voilà, Anthony. Mega Mac, salut à tous. Salut, salut. Peut-on laisser la pompe à chaleur en marche ou en fonction sur si la filtration est arrêtée, genre la nuit? Peut-on laisser la pompe en marche ou en fonction si la filtration est arrêtée, genre la nuit? La filtration, la pompe à chaleur, normalement, elle ne va pas marcher si la pompe de filtration ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si tu la laisses fonctionner la nuit, ça maintiendra le taux de température correct, ou alors ça fera élever le taux de température si ta piscine est bâchée et si ta pompe à chaleur est assez puissante. Voilà, mes chers amis, on va faire une courte pause. En attendant, n'oubliez pas, cliquez sur j'aime, vous pouvez préparer vos questions également. On est vraiment assez nombreux sur ce visionnage. Donc, allez-y, cliquez sur j'aime, préparez vos questions. On va rester ensemble encore une petite dizaine de minutes et nous arrêterons ce live. Allez, je vous dis à tout de suite, mes chers amis. Hop là. Voilà, c'est là.
Voilà. Allez, de retour. Bon, je vois que vous n'avez pas envie de cliquer sur le bouton j'aime. Alors, soit vous ne le voyez pas, soit vous n'avez pas envie. Eh bien, je ne sais pas, on va dire que vous ne le voyez pas. Hein. Voilà. C'est plus positif que vous n'avez pas envie. En tout cas, moi, j'ai envie de vous aider. Voilà. Et en faisant ça, en faisant ce live-là, eh bien, je vous aide encore plus. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à me poser vos questions pendant quelques minutes. Une petite aparté juste pour vous remontrer le bouquin. Voilà l'essentiel pour votre piscine qui est sur mon site web, sur lequel, eh bien, il y a pas mal de conseils qui sont juste géniaux, quoi, hein. Traiter, filtrer, nettoyer, il y a absolument tout ce qu'il vous faut. Bon, rien. Voilà, je traite même peut-être du brome et de l'électrolyseur au sel, c'est pas mal. Et les avis des lecteurs, dont un de Laurent Foucat qui me dit, le livre devrait être vendu, vous pouvez le vérifier, hein, cet avis. Il est public, hein. Le livre devrait être vendu avec les piscines tellement il est indispensable pour comprendre et gérer votre piscine, notre piscine. Anthony Pinault, salut Anthony. Fantastique, un guide complet qui m'aide tous les jours à comprendre ma piscine, des astuces, conseils et méthodes faciles à comprendre et à lire. Je n'ai plus aucun problème depuis un seul mot. Merci. Et c'est vrai que en fait, j'ai des milliers de personnes qui m'ont acheté le bouquin et qui sont plus embêtés du tout avec leur piscine. Et ils me donnent leur gratitude tous les jours. Donc c'est à mon tour de leur donner ma gratitude. Ma gratitude. Merci à vous tous, mes chers amis. Ok. Allez, on reprend un petit peu. Tigidigidi, je suis passé au chlore non stabilisé, David, mais mes galets se consomment difficilement et font une sorte de pâte au fond du skimmer. Est-ce normal? Et oui, c'est l'hypochlorite de calcium qui est en galets fourni par une certaine marque. Je suis trop trop pour ce type de traitement parce qu'il fait augmenter déjà d'une le pH et il est difficilement gérable parce que cette pâte-là est un peu galère à gérer. Donc je suppose que si tu as fait ça, c'est que ton chlore, ton stabilisant est trop élevé. Là, ce que je te préconiserais, c'est de prendre un électrolyseur au sel contrôlé par une régulation d'électrolyse, donc avec le Redox. Disponible sur ma boutique, bien évidemment, vous vous doutez bien. Et puis tu seras plus embêté. Voilà. Tout simplement. David, mon cher David. Néo, je traite à l'hypochlorite de calcium. Le stabilisant est dans les normes. Le pH est tac. Ok, mais le taux de désinfection redescend assez rapidement. Comment peut-on contourner ce problème? Comment ça se fait que le taux de désinfection descend rapidement, mes chers amis? Mais c'est normal. C'est normal. Alors, juste, on me demande juste, il est où ce bouton j'aime? Ce bouton j'aime, eh ben, en fait, voilà, moi je vous aime, merci mes amis. Il est juste en dessous de la vidéo, juste en dessous de la vidéo, il y a un petit bouton, c'est un pouce comme ça, il est comme ça, le pouce. Puis vous cliquez dessus, hein. Peut-être que vous ne le voyez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne l'ai pas vu trop évoluer, donc tant pis, je vais faire une petite larme, mais donc je me dis que vous ne le voyez pas, donc. C'est OK. Donc, tu me disais, Nero, que le taux d'infection redescend. C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Je suis très content que tu la poses parce que c'est vrai que je n'aurais pas pensé tout seul à le dire. Eh bien, en fait, comment te dire? Actuellement, on est dans une saison qui fait que, regarde, il y a les arbres qui bourgeonnent, il y a le pollen qui arrive, la vie qui éclot. Tous les insectes qui y reviennent et les moustiques aussi. Bon, les moustiques, c'est pas très agréable. Donc, on va voir les grenouilles qui chantent le soir. Enfin, bref, tout ça. Ok, t'as compris le truc. Donc, la vie, elle revit. La vie, elle reprend son cours et c'est à mieux, c'est le printemps. Et c'est une excellente saison pour préparer sa saison de piscine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vu que la vie, elle revit, elle revit pas qu'à l'extérieur de la piscine, elle revit aussi à l'intérieur de la piscine. Donc évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le taux de désinfection, il chute parce qu'il est obligé de combattre contre les organismes et la biologie qui voudraient venir envahir ta piscine qui soit très très verte. Donc j'en profite pour dire que pour tous ceux qui sont inscrits à ma newsletter, ils ont reçu normalement cet hiver des conseils de traitement
pré-printanier, pré-saisonnier, pour éviter que leur piscine soit verte. Et tous ceux qui l'ont suivi, ils ne sont pas du tout embêtés. Par contre, tous ceux qui ne l'ont pas suivi, ben, c'est un peu plus embêtant et je récupère beaucoup en ce moment de piscines vertes. Tant mieux, ça me donne du boulot, hein. Et si vous êtes dans le coin de Narbonne et du Somail, vous pouvez faire appel à mes services, bien évidemment. Je me ferai une joie de m'occuper de vous. Donc, le taux de désinfection, il chute parce que ben, la piscine, elle a vraiment besoin de désinfection. Évidemment, hein, taux de pH, OK, taux de stabilisant, OK. Et si, en ce moment, elles sont très gourmandes, les piscines, donc il ne faut pas hésiter à surélever. Mais ça, je l'explique en détail sur mon bouquin. En détail, tout est expliqué en détail. La majorité des questions que vous posez sur votre piscine, la réponse est sur le bouquin. L'essentiel pour votre piscine, mes chers amis. Voilà. Disponible sur mon site web ou dans n'importe quelle librairie de France, Québec, Canada, même, j'ai vu en Suède même. Donc voilà. Donc, il ne faut pas du tout hésiter, mes chers amis. Donc, on a Christian. Salut. Quel est le temps de filtration pour une piscine de 28 mètres cubes en sachant que ma pompe est de 12 mètres cubes heure? C'est pareil, 12 mètres cubes heure pour 28 mètres cubes, c'est bon. 28 mètres cubes, ouais, c'est bon, ben, c'est pareil. Hein. On ne change pas la règle, il n'y a pas besoin. Alors, une heure de filtration, on va dire, allez, en gros, 1 kilowatt, ça va coûter 0,0014 centimes. Non, 0,014 ou 0,014 euros. On n'est pas à ça près, quoi. Une piscine, c'est considéré comme du luxe. Et donc, honnêtement, on n'est pas à une heure près ou je vais faire fonctionner un petit peu dans les heures creuses ou la nuit. Non, non, non. Il y a des règles. Et on respecte les règles. Sinon, bah, vous dépenserez des sous en produits chimiques et du temps d'entretien. Voilà. Ou alors appeler des techniciens, confirmés. Bien sûr. Bruno, faut-il vider un peu d'eau tous les ans de sa piscine? Excellente question. Eh bien, on va dire oui. Et non, voilà. Oui, on vide toujours un petit peu d'eau tous les ans, si et seulement si elle est surstabilisée. Voilà, les piscines qui sont par exemple avec un électrolyseur au sel, avec deux taux chimiques qui sont parfaits, il n'y a pas besoin de la vider. Voilà, sachant que toujours en début de saison ou lors des mises en service, bon, on essaye d'évacuer un petit peu l'eau à l'égout, donc on évacue un petit peu d'eau. Donc, si on traite au galet, je pense que c'est nécessaire, hein. Honnêtement, on traite au galet, il ne faut pas hésiter à renouveler l'eau tous les 2-3 ans parce que les galets surstabilisent l'eau. Mais si on a des automatismes chimiques, moi j'ai des piscines, elles ont 10 ans, je ne les ai jamais vidées. Parce que et elles sont tout le temps nickel. Parce qu'elles ne sont pas saturées, tout simplement. C'est toujours pareil, mes chers amis. Si on met des produits qui ne sont pas adaptés ou qu'on ne sait pas spécialement, ou comme l'a jamais dit, comme beaucoup disent, évidemment. La piscine, ça devient une catastrophe, hein, au bout d'un moment. Mais si on applique les bons conseils, ce que je préconise, enfin, je dis pas que j'ai dans toute humilité, hein, merci, hein, mais ce que je dis en général, c'est pas des bêtises. Gélibook essentiel, première version, c'est super, merci. Merci Michel, merci énormément pour ta confiance. Ah, on a trouvé le pouce, génial. Donc, bonjour à tous pour apercevoir le j'aime quitter le mode de plein écran. Merci, merci Frédéric. Bonjour, après un traitement choc à l'hypochlorite, il y a quelques jours, elle est devenue blanchâtre. Tous les niveaux sont bons, mais l'eau n'est toujours pas transparente. Possible problème de pH. Bonne continuation. Alors oui, ça arrive, ça, quand on traite avec l'hypochlorite de calcium, mais j'ai justement une vidéo diffusée sur ça. Quand on met de l'hypochlorite de calcium, des fois, l'eau, elle devient blanche. Blanche, blanche, on ne comprend pas, elle ne revient pas. Mais pour ça, vous baissez votre pH, hein, vous le baissez un petit peu plus que la normale, et puis ensuite, vous le remontez. Et l'eau, sous 3 heures, elle revient normalement. Tagada, Néo, j'ai l'ancien bouquin, merci pour la réponse, ben avec plaisir. Néo, le nouveau bouquin, il est encore mieux, ben, plein de super conseils en plus. Fred, je recherche un aspirateur balai, je trouve un poil cher celui que vous proposez, est-il vraiment si efficace? J'ai envie de vous dire oui, honnêtement, oui, il y a des aspirateurs balai qui coûtent 20 balles, 50 balles, 60 balles. En balai étant des euros, excusez-moi de mon langage famille. Mais honnêtement, vous allez l'acheter, vous allez dire ok, c'est bon. Je dis toujours que le pas cher coûte cher. Ce balai est un petit peu plus onéreux. Honnêtement, il n'est pas cher quand on voit le service rendu. C'est un balai comme moi, j'utilise tout le temps pour mes entretiens de piscine.
Il est disponible sur la boutique, évidemment. Il coûte dans les 150 euros environ. Bon, ben voilà, j'ai rien à dire. Mes piscines, je les nettoie en 15-20 minutes. Et je mets pas 3 heures, je perds pas de l'eau à foison. Donc, faut pas hésiter, mes chers amis, il faut vraiment pas hésiter. Tac, je n'ai pas vu sur ta boutique la domotique. Elle s'est en cours d'être mise en route, mon cher ami Eric. Ok, efficace, Fred Rivière, efficace grâce à son poids. Tu vois, c'est même pas moi qui le dis, c'est Michel qui dit que le Fairlock, il est vraiment super efficace. Voilà, mes chers amis, eh bien, nous allons boire l'apéro. En tout cas, moi, je vais m'offrir une petite bière ou un petit pastis, je ne sais pas encore, mais à boire avec modération. Merci, mes chers amis, infiniment. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et là, c'est vraiment le cœur qui parle pour votre présence. On est encore très nombreux à la fin de cette 1 heure de live. J'espère que toutes ces questions vous auront répondu. Alors, bien sûr, si je n'ai pas répondu à votre question ou que vous en avez d'autres, que vous avez un problème insoluble, que vous trouvez que c'est compliqué, ou vous voulez un choix pour des appareils et tout ça, faut pas hésiter à m'en faire part. Si vous voulez des dépannages spécifiques en direct, ben vous allez sur formationpiscine.fr. Je peux me débloquer du temps dans mon emploi du temps qui est pas mal chargé pour vous. Bien évidemment, c'est payant. Donc, juste pour rappel, il y a la boutique où je préconise tout mon produit, tous mes produits qui est en cours de développement. Il y a le bouquin, il y a la version numérique, il y a également les packs de formation Start, qui sont packs de formation vidéo qui font plus de 13 heures de vidéo. Donc, ça vous apprend vraiment tout ce qu'il vous faut savoir sur la piscine, maintenance y compris. Et la Premium également qui en apprend encore plus avec un accompagnement personnalisé, évidemment, de ma part. Donc, c'est-à-dire, je m'occupe vraiment de vous pour que tout ce soit fantastique. Merci, merci, merci. Bonne journée à tous. Je vous aime énormément et je vous dis à très, 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 très bientôt. Bye bye.